les antennes qui sont mises sur mon Dieu. Tous les cris enflammés de l'ennemi. Nous renversons ces ténèbres, mon Dieu. Tous les tuyaux sur la route, nous les poussons au nom de Dieu. Ils sont des ténèbres, mon Dieu. Je suis grâce à mon Dieu pour la Seigneur. Sois manifesté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant, bien aimé, nous allons maintenant nous recommander nous-mêmes qui partons entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de soutenir, de soit avec nous, de nous la parole. Nous sommes bien voyagés, nous prions au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Rabba, Seigneur, éternel, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon Rabba, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, merci, merci, merci Seigneur pour tous ces moments que tu nous as pris depuis Bassam jusqu'à Dabakala, et Dabakala jusqu'à Boaké, de Boaké, jusqu'à Yamoussoukro, de Yamoussoukro, jusqu'à Belge, voilà. Voilà. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu nous prends encore maintenant pour nous rappeler à Bassam d'où nous sommes partis. Alléluia, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Père, nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de toi. Jésus, 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 nous allons, l'homme de Dieu, la faute Abraham va dire un dernier mot. Nous pouvons dire que maintenant la mission sur Dabakala, sur Yamoussoukro et sur Gagnoua est achevée. Alléluia. Amen. Je veux rappeler qu'à Gagnoua, nous ne sommes pas venus apporter le feu du réveil. Parce que le feu du réveil a été à Gagnoua depuis 2020. Alléluia. Avec Amen. L'homme de Dieu, Jacques Michel. Alléluia. Nous sommes juste venus renforcer les capacités ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Évidemment, on ne peut partir sans demander les impressions de l'homme de Dieu. Et aussi de l'homme de Dieu, Abraham Paul. Et de aussi de l'homme de Dieu, Joseph du Togo. Quelles sont vos impressions? Après 3 semaines épiques, sans relâche, sans somnolence. De travail en l'honneur du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus. Peuple de Dieu à travers le monde entier, aux États-Unis, Amérique, Canada, à travers toutes les nations où vous êtes, vous qui avez été appelés dans le réveil international, vous qui avez été appelés dans le réveil international, Jésus revient, plus particulièrement à ce message de la saine doctrine. Nous sommes très fiers et je suis très béni. C'est que je peux dire comme impression. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai travaillé pour le Seigneur. Je ne peux pas compter toutes ces années-là. J'ai travaillé pour le Seigneur. Et autrefois, nous étions des serviteurs de Dieu. On restait dans les maisons, dans des bureaux. Et il y avait le reste de l'assemblée des enfants de Dieu. Et ils allaient dans les rues pour aller prêcher. Ils amenaient les gens. Nous, on n'avait qu'un seul rôle. On se disait, c'était de leur enseigner juste. Alléluia. Mais depuis mon arrivée à la sainte doctrine, j'ai appris qu'un serviteur de Dieu aussi doit descendre dans les rues. Et tout ce que j'avais appris autrefois et ce que je connaissais et que je n'avais jamais mis en pratique, vraiment j'ai eu la grâce de Dieu de pouvoir faire la pratique cette fois-ci. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la mission, quand on voit la télé, on se dit c'est vraiment facile. Ce n'est pas du tout facile, bien aimé dans le Seigneur. Si on vous dit les conditions dans lesquelles on dort, les conditions dans lesquelles on mange, les conditions dans lesquelles on se lave, les conditions dans lesquelles même nous allons même derrière, pour ceux qui comprennent, ce n'est pas facile, bien aimé. Toi qui aimes le luxe, tu ne peux pas faire ça. Toi qui es habitué au luxe, tu ne peux pas faire ça. Toi, pasteur qui est habitué à des grosses vestes, tendances, oh, tu ne peux pas faire ça. Ici, là, la vie n'a pas de valeur. Quand tu arrives, là, la vie n'a pas. Ce qui a la valeur, c'est le message dont tu apportes. Claire. Et ce message doit être vrai. Ce message doit être sincère. Donc, mes impressions à ce niveau, c'est quoi? C'est que les gens ont soif de la parole, de la vérité. Partout là où nous allons, les gens sont surpris, sont étonnés de savoir qu'un tel message est dans la parole de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Moi-même, en pasteur David, en venant encore, j'ai beaucoup appris. Beaucoup de choses sur encore les profondeurs même de la sainte doctrine, plus particulièrement parler de la restitution. J'ai appris beaucoup sur la restitution, bien aimé dans le Seigneur, et je vais dire à tout le peuple des enfants de Dieu, si tu as tes moyens, si tu as possibilité, prie le Seigneur, demande-lui aussi que Seigneur, j'aimerais faire partie de la caravane qui fait cette mission. L'apôtre Abraham, c'est quelqu'un avec un très grand cœur, quelqu'un que Dieu a brisé pendant près de 25 ans, quand vous écoutez aussi son témoignage. Vraiment bien aimé, il a dit, il ne va pas travailler seul. Tous ceux qui sont prêts à travailler, il ouvre les bras pour venir travailler. Donc quand tu
viens, tu vas à la mission. Vraiment, il n'y a pas, tu n'es pas pressé. Il n'y a pas grand pasteur, il n'y a pas bishop, il n'y a pas. Non, 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 non. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Et le soir, quand nous nous retrouvons, lui, comme nous tous, nous dormons sur le même endroit. Nous mangeons dans les mêmes assiettes. Même quand c'est la checker, parfois, ça avait la même bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. Donc, je bénis le Seigneur. Je suis fier. J'ai appris aussi beaucoup d'humilité. Et je prie que le Seigneur me donne aussi cette humilité. Vraiment, un homme très réservé. Où difficilement il ouvre la bouche. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour bénir, dire des choses qui sont instructives, des choses qui concourent à ce que le peuple de Dieu soit encore nourri davantage et avance. Donc voilà quelques impressions que j'ai pu apporter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Merci beaucoup. Donc je vous passe mon bien-aimé Abraham Paul aussi qui va apporter ses impressions. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici votre petit frère Abraham Paul, fils de Jésus. Alors depuis un bon moment, j'ai l'impression que ça, j'ai même pas vu le temps passer, mais on a déjà fait, je crois, un peu plus d'un mois ici. Et puis je suis tellement content. Bon, je vous dis officiellement, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. À propos, les bien-aimés du Cameroun, Abraham Paul, on le réquisitionne. On vous ramène l'homme de Dieu, David. Abraham Paul, il reste ici définitivement. Il est plus ivoirien que camerounais. Voilà, donc lui, il part, il reste. Et l'homme de Dieu David vous rejoint. Voilà, ah, terminé. J'ai décidé, c'est, voilà, c'est exclusif. Il est venu vous chercher par là, bête. Il est venu chercher par là, bête. Bon, bien-aimé, ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne sais pas pourquoi toi tu perds encore du temps. La moisson est tellement grande, mais peu d'ouvriers. Avec ce qu'on a vécu là, moi je n'ai pas commencé à Dabakala, mais petit temps j'ai mis là. Mon corps là, c'est nous, on pensait qu'on travaille, on ne travaille pas. Mais bien aimé, l'homme de Dieu a dit, tu peux même pas faire ça si tu n'as pas l'amour pour Jésus. Amen. Je pensais que j'aimais Jésus, mais là, je suis en train de réapprendre à l'aimer d'une nouvelle manière. Amen. Et je prie qu'il me charge encore plus du zèle et d'amour pour lui, amen, afin de me fondre dans le décor pour travailler. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de faire les matchs vus partout. Si tu ne travailles pas et que tu veux qu'on te voie, Dieu lui voit dans le secret. Bien-aimé, je ne sais même pas pourquoi tu perds encore du temps, ne serait-ce que pour accepter la saine doctrine. Premièrement, chaque seconde que tu perds, c'est chaque seconde vers la fin de ta vie sur terre. Et si tu te retrouves qu'à la fin, tu n'as rien fait pour ton Dieu, oh, quand il va te demander, est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu as jeûné pour moi? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu t'es sacrifié pour les âmes? Dans le livre de 1 Jean, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier, de sacrifier sa vie pour ses amis. Toi, quel est le sacrifice que tu as déjà fait pour les autres? Jésus, lui, s'est sacrifié. Voilà les autres, nos pères dans la foi qui se sacrifient. À notre tour de nous sacrifier. Toi, qu'est-ce que tu attends? Que le Seigneur vous bénisse. Moi, en tout cas, je suis content. Tous ces gens ici, il y a des moments où je me demande quand je vais rentrer là, est-ce que je ne vais pas pleurer? Mais bon, l'homme de Dieu a dit, on reste. Ouais, je vais rester. Camerounais, peuple camerounais, ne peut pas rester. Pour ça, je vais lutter jusqu'au bout. S'il faut qu'il reste, c'est mon sang qui va se verser. Pardon. On n'est pas ancien troisième ici. Hein. Il ne peut pas rester. Encore. Alléluia. Nous sommes le bras de la main de Dieu. Le Seigneur nous envoie partout où il veut que nous soyons. Soyez bénis. J'ai encore écouté des témoignages. J'étais bien aimé ici. Je comprends encore que le Seigneur est grand. Si tu ne connais pas Jésus, c'est le moment de chercher à le connaître. Chacun va chercher à entrer profondément dans son intimité avec Jésus pour le connaître à la dimension que les autres l'ont connu et pourquoi pas au-delà. Donc soyez bénis. Je vous laisse avec l'homme de Dieu, shalom, le pasteur Joseph du Togo. Voilà. Shalom, shalom. Oh, le Tunisien. Où là. J'invite tout le monde dans ce bac, la bac de réveil international. Je vous dis la vérité. Tenez, ce bac est vrai. Donc, moi, c'est la première fois que je suis venu en Côte d'Ivoire. On a parcouru une semaine ici. J'ai vraiment content. J'invite tout le monde dans ce bac, le réveil international. Soyez fortifiés. Shalom, 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 shalom. Le Tunisien. C'est mon frère jumeau, un frère jumeau au Togo. Voilà. C'est le frère jumeau au Togo, Joseph numéro 2. Vous avez entendu parler de lui, Joseph numéro 2, c'est lui-là. Voilà, l'homme de la terreur. Celui qui terrorise les démons. Voilà, vous avez le prophète Joseph. Shalom, shalom, shalom. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là avec les hommes de la Côte d'Ivoire, avec nos papas dans la foi. Vraiment, nous apprenons beaucoup. Et j'exhorte tous les frères en Christ, tous ceux-là qui ont un appel ministériel, venez apprendre.
Voilà, venez apprendre auprès des serviteurs de Dieu qui sont humbles. Avec eux, nous apprenons beaucoup. Nous vivons dans l'amour et ça nous permet encore de comprendre le mystère de Jésus. Et nous avons compris que autrefois, nous ne connaissions pas le vrai, le véritable. C'est maintenant qu'on est le véritable. Alléluia. Donc, j'exhorte tout le monde à venir. Et je dis aussi à tous ceux qui sont en Tunisie, apprêtez-vous, c'est maintenant, le feu aussi va descendre là-bas. Parce que nous allons maintenant bombarder, puisqu'on a beaucoup appris. Donc, on arrive là-bas en puissance. Quand je dis on arrive, je sais que forcément quelqu'un va me suivre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Jean-Louis Francis dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Alléluia. La cohésion, l'entente, l'amour, l'amour, le respect, la joie, la joie, le partage. Alléluia. Voilà, infiniment merci pour merci, tout merci, vos prières. Yes. Nos missions s'achèvent ici. Mais nous n'avons pas fini de faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Jésus revient, si tu dors, réveille-toi, Jésus. Si tu dors, réveille-toi, Jésus revient, si tu dors, réveille-toi.